de l'État. 2, point d'information. 3, approbation d'un relevé des décisions de conseil de ministres. 4, examen et adoption des dossiers. 5, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De la participation au segment de haut niveau de la 52e session du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Après Bujumbura et Addis Abeba, le président de la République a une nouvelle fois porté la voix de la République démocratique du Congo le 27 février dernier à l'Office des Nations Unies à Genève pour le compte du segment de haut niveau de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Il a entretenu durant ses assises le Conseil des droits de l'homme ainsi que les États membres des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, les avancées y enregistrées depuis son investiture, les réformes structurelles, mais aussi et surtout la situation humanitaire alarmante qui prévaut actuellement à l'est du pays et les violations des droits de l'homme y répertoriées consécutivement à l'agression de notre territoire national par le Rwanda sous les couverts du groupe terroriste du DiEM23. À travers son plaidoyer, il a interpellé cette haute instance des Nations Unies sur les conséquences de la guerre et de l'insécurité sur les efforts produits par le gouvernement dans la protection et la promotion des droits de l'homme, dont le résultat se retrouve sévèrement affecté par les situations de rupture de paix telles que vécues actuellement dans cette partie du pays. Malgré cette guerre, le président de la République a rassuré les États membres que cette situation ne saura entraver notre marche commune vers l'édification d'un État de droit et démocratique, respectueux des valeurs humaines et dans lesquelles cohabitent paisiblement les Congolais et Congolaises dans l'unité et dans la diversité. Le président de la République a demandé au gouvernement enfin de maintenir cette nouvelle dynamique diplomatique marathonienne qui appelle à l'utilisation de tous les leviers en notre possession pour faire valoir notre noble et juste cause. Au deuxième point de la communication du président de la République, porté sur la réciprocité d'octroi des visas entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Dans les soucis de renforcer la coopération bilatérale et d'assouplir certains mécanismes, notamment dans la circulation de personnes, le président de la République avait en son temps chargé une équipe de son cabinet, en appui à l'action diplomatique du gouvernement, à entamer des discussions avec les États-Unis d'Amérique. Cette équipe a travaillé ensemble avec la représentation diplomatique américaine pour suivre les traitements des demandes de visas pour les officiels de toutes les institutions de l'État et ou les ordres de mission au cours des deux dernières années. Elle a rendu compte des récentes évolutions des dites discussions, particulièrement pour ce qui concerne la réciprocité dans l'octroi des visas. Il résulte des conclusions de ce travail que les États-Unis d'Amérique viennent d'annoncer que les visas de type A et G, qui sont généralement octroyés aux officiels congolais, auront dorénavant une validité de 2 ans. Ceci démontre que les efforts soutenus dans les domaines diplomatiques visant le retour de la République démocratique du Congo comme État sur l'échiquier international sont à même de donner des résultats, notamment dans le sens de permettre aux Congolais et Congolaises à retrouver leur dignité d'antan. Afin de capitaliser et de consolider ses acquis, le président de la République a demandé à son cabinet, au ministre des Affaires étrangères et à la Direction générale de Migration de se réunir au plus tôt afin de poursuivre les discussions avec la partie américaine et parvenir à établir les modalités de l'application de cette règle de réciprocité en matière des visas pour les officiels américains qui visitent la République démocratique du Congo. Ces dernières discussions devraient aussi inclure les visas touristiques et d'études pour les Congolaises et Congolais d'une part et la réciprocité pour les Américains d'autre part. Au troisième point de la communication du président de la République relatif à l'implication du gouvernement pour la clôture apaisée de l'année scolaire 2022-2023 et la poursuite d'un dialogue social permanent. L'année scolaire 2022-2023 poursuit son cours normal. Elle a démarré dans la sérénité et il est primordial qu'un bon climat social caractérise la poursuite
des activités scolaires pour l'intérêt majeur de nos enfants. À cet effet, le président de la République a noté avec satisfaction, au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et technique, les actions menées par le gouvernement pour rencontrer les attentes du banc syndical et des établissements scolaires. Il a également salué les efforts qui sont déployés pour payer rapidement le deuxième palier de la prime de gratuité et pour s'acquitter régulièrement de la prime de bourse. Tous ces efforts devront rassurer les partenaires éducatifs et consolider la gratuité de l'enseignement primaire devenue le socle de l'éducation de base de la jeunesse congolaise. Le président de la République a demandé au Premier ministre, ministre d'État, ministre du Budget, ministre des Finances, ainsi que le ministre de l'EPST chacun en ce qui les concerne, d'apurer les arriérés de l'année scolaire 2020-2021 et 2021-2022 pour maintenir l'élan des efforts en cours et garantir la réussite totale de la présente année scolaire. Par ailleurs, en vue de promouvoir le dialogue social permanent entre le gouvernement et les bancs syndicats de l'enseignement supérieur et universitaire ainsi que de la recherche et innovation technologique, le Premier ministre a été encouragé à mettre diligemment en place un comité permanent de suivi et d'évaluation des accords de la commission paritaire d'avril 2022 conclu à Bibois. Au quatrième point de la communication du président de la République, portant sur l'inviolabilité des matériels et kits électoraux de la Commission électorale nationale indépendante de la non-discrimination dans les opérations électorales. Le processus électoral est irréversible dans le cadre de la consolidation de notre démocratie. C'est dans ces cadres que la Commission électorale nationale indépendante a publié un calendrier fixant le chronogramme des différentes opérations en commençant par l'identification et l'enrôlement des électeurs actuellement clôturés dans certaines aires opérationnelles et en cours dans d'autres. Le président de la République a exprimé sa satisfaction pour le premier élément communiqué par la CENI relatif aux conditions et résultats des opérations d'enrôlement, ce dont félicite l'équipe de la centrale électorale. Il a néanmoins exprimé ses préoccupations au regard des dernières atteintes portées au matériel et kits électoraux dans certaines contrées, des recours aux méthodes des déportations des électeurs qui risqueraient d'entraver la fiabilité du fichier électoral, ainsi que des pratiques de violence, des stigmatisations, d'exclusion et des discriminations dont seraient victimes certains compatriotes. Cette situation les préoccupe au plus haut point et appelle des institutions étatiques impliquées dans la protection et la sécurisation du processus électoral, une réponse rigoureuse et sans complaisance dans les cas du régime répressif prévu par les dispositions légales et réglementaires. Il a par ailleurs noté que la CENI a publié des communiqués qui non seulement condamnent ces pratiques, mais expriment également l'engagement de cette structure pour des élections inclusives et apaisées. Le président de la République a rappelé que les matériels et kits électoraux sont inviolables et toute personne ou groupe de personnes, quel qu'il soit, coupable de vol, destruction des matériels électoraux ou des falsifications des éléments qui constituent les fondamentaux du processus électoral, devait être poursuivi et réprimé sévèrement afin de décourager ces pratiques. Pareil pour toute initiative qui vise à corrompre de quelque manière que ce soit, la constitution du corps électoral ou du fichier électoral. Tout laisse croire qu'il y a des forces obscures dont l'objectif principal est de jeter les discrédits sur le processus électoral en cours et de les dérailler au besoin. Le président de la République a insisté sur la nécessité de rester tous vigilants pour faire échec à ces actions somme toute maléfiques. Aussi a-t-il souligné le droit d'être électeur ou éligible étant constitutionnellement garanti à chaque Congolais sans exclusion aucune sur les origines, la race, les éléments morphologiques ou les faciès, ou pour quelque motif que ce soit. Aucun acte attentatoire ou discriminatoire ne doit être toléré contre qui que ce soit. Les principes constitutionnels d'égalité de tous et de la non-discrimination
consacre au profit de chaque Congolais le droit à l'égale protection des lois qui ne peut subir aucune atteinte. Les actes de violence, même verbales, doivent être sanctionnés avec vigueur et rigueur et le président de la République y veillera personnellement. Il a à ses propos instruit le gouvernement à travers les différents ministères et services impliqués dans la sécurisation du processus électoral et des électeurs, de mettre en place, en collaboration avec la CENI, un dispositif approprié afin d'éradiquer ces pratiques. Il a demandé aux autres institutions, y compris les cours et tribunaux, à accompagner sans relâche ses efforts pour un processus électoral crédible, ouvert, démocratique et surtout pacifié. Les ministères ayant dans leurs attributions la sécurisation du processus électoral et la justice communiqueront régulièrement au Conseil des ministres sur l'état de la sécurisation du processus et l'évolution des procédures ou actions engagées contre les individus. Le président de la République a terminé sa communication en annonçant l'arrivée ce vendredi 3 mars 2023 de son homologue français Emmanuel Macron. Il a demandé aux ministres impliqués dans les préparatifs de travailler pleinement pour la réussite totale de cette visite. Il a invité la population congolaise à l'accueillir dans la ferveur de nos valeurs d'hospitalité. À la suite de la communication du président de la République, le premier ministre chef du gouvernement s'est appesanti à son tour sur trois points tous relevant de la nouvelle dynamique diplomatique impulsée par le président de la République. En premier, il a tenu à saluer la participation et les discours prononcés par le président de la République à la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Au nom du gouvernement de la République, il a salué cette intervention à ces segments de haut niveau. En deuxième lieu, le Premier ministre chef du gouvernement est revenu sur sa participation au sommet One Forest Summit tenu à Libreville au Gabon à l'initiative du gouvernement gabonais et du gouvernement français. Le Premier ministre a informé le Conseil qu'au cours de ses assises consacrées à la conservation des forêts tropicales et à la protection du climat et des espèces dans un contexte de dérèglement climatique, il a rappelé la nécessité pour les chefs d'État, le gouvernement africain, les responsables, les ONG, tous prenant partie à cette grande conférence, de s'impliquer davantage pour s'assurer que la paix revienne dans la partie est de la République démocratique du Congo, parce qu'il existe une relation entre la conservation des forêts tropicales et la problématique de la sécurité. Il a rappelé que l'environnement et les espèces protégées ont besoin d'évoluer dans les espaces où la paix est consolidée. À cause de la guerre qui sévit à l'est de notre pays, non seulement les hommes sont victimes, mais aussi leur milieu de vie et les parcs sont menacés et détruits. Au nom de la République démocratique du Congo, il en a appelé à la solidarité régionale et internationale pour la paix dans la partie est de notre pays, qui continue à souffrir des affres de cette guerre et de cette insécurité provoquée par le mouvement terroriste M23, parrainé par le Rwanda. En dernier lieu, le Premier ministre chef du gouvernement a aussi abordé le point relatif à l'arrivée du président français Emmanuel Macron. Il a informé qu'en marge de son séjour, un forum économique RDC, France-Union européenne, s'étiendra. Le gouvernement suit avec la plus grande attention la tenue de ces assises qui participent de la requalification du partenariat souhaité mutuellement avantageux entre la France et notre pays. Avec la participation de plusieurs entreprises françaises, le Forum économique de Kinshasa représente une nouvelle opportunité dans les échanges commerciaux. Trois tables rondes seront organisées à cet effet, portant sur les métaux stratégiques et la transition énergétique, les infrastructures urbaines et les villes durables, ainsi que l'enjeu numérique. Ces travaux seront clôturés par les deux chefs d'État. Le Premier ministre a conclu son propos
en signalant que le mois de mars, nous célébrons le 8 mars prochain la journée internationale consacrée aux droits des femmes. Les thèmes retenus cette année pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité de sexe. La ministre du Genre, Famille et Enfants a été chargée de superviser toutes les activités qui se dérouleront dans le cadre de cette célébration. Le Premier ministre a aussi profité pour souhaiter une bonne fête à toutes les femmes congolaises. Au chapitre 2 du Conseil des ministres de ce jour, relatif aux points d'information, État et administration du territoire. Au nom de son titulaire en mission, le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a présenté au Conseil l'état de l'administration du territoire qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires dans la partie est de la République démocratique du Congo. Dans les volets sécuritaires, le vice-ministre, ministre de l'Intérieur, a épinglé quelques faits saillants, notamment dans la province du Maniema, une vive tension observée ces derniers jours entre les éleveurs et la population du territoire des Kibombo. Dans la province du Sud Kivu, une attaque a été perpétrée le 22 février 2023 vers 18h par des présumés miliciens Tuiranéo contre les villages Majaga situés en groupement Kigoma chez Fride Bafoulira au territoire d'Ouvira. Dans la province du Nord Ubangi, il signale une traversée massive d'éleveurs Mbororo avec leurs troupeaux en provenance de la République centrafricaine. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Intervenant à la suite du vice-ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant est revenu principalement sur les opérations en cours menées par les forces armées de la République démocratique du Congo sur le front contre les M23 et les Rwanda Defense Forces, ainsi que les opérations conjointes menées avec l'armée ougandaise pour les démantèlements des ADF MTM dans la partie du Grand Nord. Au sujet de la situation sanitaire, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté au Conseil la situation globale de la santé dans le pays, principalement celle liée à la pandémie à Covid-19. La tendance à la 8e semaine de l'année 2023 est restée stable. Aucun cas supplémentaire n'a été enregistré par rapport à la semaine 7 de cette même année. Le ministre de la Santé a par la suite fait rapport sur la situation de la gratuité des soins cibles des accouchements, projet financé par la Banque mondiale à travers le programme de développement du système des santé. Cette gratuité est effective dans 12 provinces pilotes de la République, à savoir le Kwango, le Kwilu, le Maïndombe, le Sud-Ubangi, la Mongala, la Tchouapa, le Maniema, le Nord-Kivu, les Haut-Lomami, le Haut-Katanga, le Lualaba et la ville-province de Kinshasa. Quatrième point d'information, rapport de travaux de la commission ministérielle de revisitation des contrats des concessions forestières. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a fait rapport au Conseil des résultats des travaux de la commission ministérielle de revisitation de tous les contrats de concessions forestières octroyés à ces jours par la République démocratique du Congo. Elle a indiqué que la décision de révisiter tous les contrats de concessions forestières fait partie des 10 mesures urgentes adoptées à la 11e réunion du Conseil des ministres tenue le 9 juillet 2021, qui avait pour finalité l'amélioration, la gestion durable de nos ressources forestières au regard des enjeux et défis écologiques de l'heure, dont les changements climatiques. Les rapports présentés apportaient sur les résultats de l'analyse de 82 titres fonciers, dont 56 de production permanente et 26 de conservation. Ils procurent à notre pays une vue d'ensemble sur le nombre et la géolocalisation des contrats de concession forestière octroyés à ce jour et fixe l'opinion sur les questions des légalités de chacun au regard des textes en vigueur. Le travail de cette commission devra permettre à notre pays
les récupérer environ 55 381,62 km² de forêt, après résiliation de contrats de concession jugés irréguliers. Selon différents scénarios de prix de la tonne de carbone forestier, la valeur à récupérer dans l'hypothèse où ces espaces venaient à être mis sous programme de conservation varie entre 276,9 millions de dollars et 941,4 millions de dollars. Au-delà de ces espaces à récupérer, 52 304,66 km² des concessions de conservation ont été répertoriés, y feront l'objet de l'encadrement du gouvernement pour la génération et la vente de crédits carbone. Cette superficie a le potentiel de générer, selon différents scénarios, entre 261,5 millions de dollars et 889,1 millions de dollars. La question du moratoire en cours sur l'octroi des concessions forestières de production permanente, ou seul de l'octroi des concessions de conservation aux demandeurs du secteur privé et des communautés locales, dans le but d'accroître la capacité du pays à capter les fonds internationaux de crédit carbone, ont aussi fait l'objet du travail de la Commission. Le Conseil des ministres a pris acte de ces rapports, moyennant quelques recommandations pour la suite du processus assorti d'un chronogramme et d'actions précises d'une part, et la nécessité de l'évaluation complète de l'impact du moratoire depuis les décrets de 2005 avant toute décision d'autre part. Cinquième point d'information, organisation de la troisième édition du Challenge Entreprise. Le ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat Petite et Moyenne Entreprise, a présenté au Conseil une note d'information relative à l'organisation de la troisième édition du Challenge Entreprise en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo du 11 au 12 mai 2023 à Kinshasa. Les principaux objectifs de ces challenges sont notamment revaloriser l'entrepreneuriat local, susciter l'émulation entre entrepreneurs, soutenir la réussite des PME, mettre l'accent sur l'accès des PME au marché du secteur public et du secteur privé, notamment au moyen de la sous-traitance. Pour l'édition 2023, les 12 catégories retenues sont les suivantes. Meilleure PME, local content, meilleure performance provinciale, meilleure femme entrepreneur, meilleur jeune entrepreneur, meilleure start-up, meilleur artisan innovant, meilleure femme artisane, meilleur incubateur, meilleur partenaire privé des PME, meilleur partenaire public des PME, meilleur support financier des PME, les prix spéciaux Challenge Entreprise. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Invité à prendre la parole au Conseil des ministres de ce jour, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a fait le point de la situation récente sur le marché des changes ainsi que de biens et services. D'une semaine à l'autre, les cours de principales matières premières exportées par notre pays ont globalement baissé. Les taux de croissance économique est estimé à 8% en 2023, avec l'impulsion du secteur minier. Il a été noté une légère décélération du rythme hebdomadaire des prix intérieurs. L'inflation a légèrement ralenti au cours de la dernière semaine du mois de février 2023, se situant à 0,5% contre 0,6% la semaine précédente, portant les cumuls à 4,2%. Le marché d'échange est resté quasi stable dans ces deux segments. Le franc congolais s'est maintenu à 2035,9 francs congolais les dollars américains l'indicatif et s'est légèrement apprécié de 0,5 au niveau du marché parallèle, situant le cours moyen à 2308,2 francs congolais pour le dollar américain. Les autorités habilitées veillent à la poursuite d'une bonne tenue des finances publiques, à l'élargissement des fourchettes d'appel d'offres des bons BCC afin de ponctionner la liquidité supplémentaire des banques et de contribuer ainsi à la stabilité du marché de change et au renforcement de la coordination des actions des politiques budgétaires et monétaires. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Point sur la mission d'audit de la structure de prix des produits pétroliers. Les ministres ad intérim de l'économie nationale
a indiqué que l'audit de la structure de prix de produits pétroliers s'inscrit dans le cadre de l'agenda global de réforme initié sous son autorité, spécialement dans le domaine de la réglementation de prix de carburant. Et c'est conformément aux instructions du président de la République à l'issue de la 53e réunion du Conseil des ministres ainsi qu'aux recommandations du Fonds monétaire international. Ces réformes visent à assainir la structure de prix de produits pétroliers en réévaluant les charges de logistique et d'exploitation des sociétés pétrolières et en optimisant la fiscalité et la parafiscalité pétrolière. Il est question de renforcer la transparence de la gestion de l'aval pétrolier et de maîtriser le coût budgétaire de la subvention des produits pétroliers qui pèse considérablement sur les trésors publics. À cet effet, le ministère des Finances et de l'Économie nationale ont institué les comités de suivi de l'audit des prix de produits pétroliers. Ces derniers ont encadré les processus du recrutement du cabinet Mazars RDC à l'issue d'un appel d'offres conduit par le Bureau central de coordination, suivi le bon déroulement de l'audit de la structure de prix et de produits pétroliers avec l'appui technique d'Ernst & Young RDC et permis son aboutissement, une première depuis une décennie. La mission d'audit a couvert deux volets correspondant aux objectifs principaux ci-après. Évaluer qualitativement et quantitativement les charges d'exploitation des sociétés pétrolières et des logistiques pétrolières à l'effet d'estimer les dites charges pour chacune des sociétés pétrolières, mais aussi de rendre compte de leur efficacité relative. Produire une analyse transversale de la structure de prix de produits pétroliers en identifiant les aspects et paramètres à optimiser, ainsi que la nature de cette optimisation, à l'effet d'assurer un meilleur contrôle du risque budgétaire lié aux pertes et manques à gagner et de conforter la fiscalité pétrolière. À l'issue du diagnostic du secteur aval pétrolier, de l'examen du différentiel de transport et des composantes de la structure de prix de produits, ainsi que de l'audit de charges de sociétés pétrolières, la mission d'audit a identifié plusieurs problèmes, notamment l'absence d'un organe central des régulations du secteur aval pétrolier, évitant la dispersion des rôles dans les administrations actuellement reparties entre finances, économie, hydrocarbures, etc., réduisant ainsi l'efficience et les contrôles de la structure de prix. L'absence des réglementations spécifiques à l'évaluation et au mode de calcul du manque à gagner et utilisation de protocoles non prévus et désuets. La difficulté de traçabilité des volumes manipulés dans les voies sud-est en absence de programme de marquage moléculaire, etc. Le rapport soumis à l'appréciation de la partie gouvernementale soulève plusieurs préoccupations pertinentes et formule des recommandations idoines pour y répondre. Ces recommandations vont dans le sens notamment d'aérer la structure de prix de produits pétroliers en améliorant son architecture et en révisitant rigoureusement les principaux paramètres, de formaliser les modalités des calculs de la créance due au secteur pétrolier à cause du gel des prix et les basant sur un cadre juridique robuste, de renforcer les organes de suivi de la structure des prix de produits en privilégiant une plus grande implication de l'État à travers la mise en place d'une entité de régulation de l'aval pétrolier. En attendant la mise en œuvre de recommandations de l'audit de la structure de prix de produits pétroliers, le ministère de l'Économie nationale a implémenté une série de mesures, incluant notamment l'ajustement prudent et mesuré des prix à la pompe au plus fort du choc énergétique, 37% d'augmentation en 5 phases en 2022, le renforcement du rôle des ministères dans le fonctionnement du comité de suivi des prix de produits pétroliers par la désignation d'experts scientifiques dans les commissions ad hoc afin d'infléchir tant soit peu la situation des juges et parties existants actuellement dans leur fonctionnement. L'adoption d'une approche plus rigoureuse dans les calculs et les suivis de la créance due aux pétroliers qui ont permis de réduire le coût de plus ou moins 70 millions de dollars au bénéfice du Trésor public en un an. Le ministre ad intérim de l'Économie nationale a aussi annoncé que la livraison du rapport définitif interviendra fin mars après que les administrations concernées
ainsi que la profession pétrolière aient apporté leur contribution. Le comité de suivi de l'audit de la structure de prix de produits pétroliers, sous la coordination de deux ministères, sera chargé de préparer et proposer un plan d'élaboration des nouvelles règles sur base de recommandations de l'audit, ainsi que la feuille de route pour leur mise en œuvre. Ces éléments seront soumis à l'appréciation du Conseil de ministres. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. État d'avancement des travaux de construction de quelques aéroports. Le ministre ad intérim de Transport, Voies des communications et des désenclavements a présenté au Conseil le rapport sur l'état d'avancement des constructions des quelques aéroports dans le pays. Il s'agit des aéroports de Bipemba Mbujimayi, Bangoka Kisangani, Boende Tchouapa, Bunia Ituri, Kavumu Bukavu, Kindu Maniema et de l'aéroport d'Unjili. À ces jours, il est fait état des difficultés liées à la mise en œuvre. En effet, l'arrangement institutionnel prévoit l'exécution du projet par la cellule infrastructure du ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction. Or, cette cellule n'est pas suffisamment armée pour des travaux aéroportuaires. Par contre, la CPTM, cellule du ministère de Transport, Voies des communications et des désenclavements, a exécuté avec brio les travaux de réhabilitation de l'aéroport international de Goma. Par ce fait, le ministre a sollicité du Conseil que la CPTM prenne en charge la suite des travaux pour non seulement garantir des travaux de qualité, mais aussi et surtout voir les travaux prévus se réaliser dans le temps. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Dernier point sur ce chapitre de points d'information relatif à l'organisation des activités commémoratives de la Journée internationale de la femme. Rappelons que l'organisation de la Journée internationale de la femme découle d'une résolution des Nations unies adoptée le 8 mars 1997 qui enjoint aux pays membres de célébrer une journée internationale pour les droits des femmes et paix internationale. La ministre du Genre, Famille et Enfants a informé le Conseil que notre pays, fidèle à son engagement pour la promotion de la femme, organisera bel et bien cette activité le 8 mars sous les thèmes « Éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de la femme et des filles en République démocratique du Congo ». En effet, la participation de la femme au processus de recherche de la paix en tant que médiatrice est essentielle notamment à travers le partage d'informations et l'organisation des plaidoyers. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, le Conseil de ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 88e réunion tenue le vendredi 24 février 2023. Au quatrième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers, un dossier. Dispositif des recouvrements des éco-redevances à percevoir par les fournisseurs internationaux. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a présenté au Conseil les dispositifs des regroupements des éco-redevances à percevoir par les fournisseurs internationaux lors de la vente aux importateurs des équipements électroniques et pneumatiques. Il s'agit du Fonds d'intervention pour l'environnement, un établissement public institué par la loi numéro 11/09 du 9 juillet 2009, portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, à son article 25 et créé par le décret numéro 20/031 du 31 octobre 2020, portant statut, organisation et fonctionnement du dit établissement public. Dans les buts de maximiser les recettes du secteur de l'environnement, de mobiliser, d'encadrer, de rendre disponibles les moyens financiers nécessaires, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a rappelé au Conseil avoir opérationnalisé le FIP en 2022 par un arrêté ministériel portant désignation d'un chargé des missions et d'un chargé des missions adjoint. Une dotation financière initiale avait été sollicitée au profit de cet établissement public conformément à la loi. Elle a également précisé que les co-redevances sur les équipements électriques, électroniques et pneumatiques importés étant une variante de l'écotaxe, deux projets d'arrêtés interministériels qui suivent leur cours au niveau du ministère des Finances
constituent les mesures d'application de base qui permettront au FIP de générer les ressources financières en vue de répondre aux recommandations du président de la République faites lors de la 85e réunion du Conseil des ministres. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a adopté ces dossiers. Dernier chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes. 5 textes. 1. 2 projets de décret relevant du secteur du portefeuille. La ministre d'État, ministre du portefeuille, a soumis au Conseil 2 projets de décret pour examen et approbation. Il s'agit respectivement du projet de décret modifiant et complétant les décrets numéro 13/56 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les établissements publics. La commission interministérielle ad hoc a, dans ses propositions, défini et déterminé les droits et avantages sociaux des mandataires publics dans les établissements publics. Ainsi, le présent projet de décret retouche le titre 3 dans ses articles 11 et 12 pour fixer les droits et avantages sociaux qui sont considérés comme une obligation permanente et systématique de l'établissement public vis-à-vis du mandataire public et qui s'exécute mensuellement. Projet de décret modifiant et complétant les décrets numéro 13/55 du 13 décembre 2013 portant statut de mandataire public dans les entreprises du portefeuille de l'État. Les modifications concernent le titre 3 dans ses articles 10, 11 et 29 pour régulariser les droits et avantages de mandataires publics actifs et non actifs conformément aux textes légaux en vigueur. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces 2 projets de décret. Projet d'ordonnance-loi instituant la réserve armée de la Défense. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a soumis au Conseil, conformément aux dispositions de l'article 129 de la Constitution, les projets d'ordonnance-loi instituant la réserve armée de la Défense en République démocratique du Congo. Il s'agit d'une structure des citoyens congolais réservistes qui vient en soutien et ou en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Elle est composée des militaires de carrière retraités des différents services de sécurité, des démobilisés du service militaire obligatoire, des démobilisés du service militaire contractuel, des volontaires civils ayant suivi une formation et un encadrement militaire ad hoc. Ces textes définissent les conditions d'admission et de la perte de qualité de réserviste, organisent la structure et lui assignent des attributions. Il fixe aussi la rémunération et détermine les régimes disciplinaires et juridiques. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets d'ordonnance-loi. 2 projets d'ordonnance-loi du secteur du numérique. Conformément à la loi numéro 22/66 du 26 décembre 2022, portant habilitation du gouvernement, le ministre du numérique a soumis au Conseil 2 textes amendés en vue de leur examen et approbation. Ils sont relatifs 1. Au projet d'ordonnance, loi portant code du numérique. Ces textes, une fois adoptés, permettra de doter notre pays d'un cadre légal encadrant le numérique afin d'en faire un vrai facteur de développement de notre pays par la mise en œuvre de son programme de transformation numérique dans tous les secteurs de la vie nationale, suivant la vision du président de la République. Projet d'ordonnance, loi portant autorisation des ratifications par la République démocratique du Congo de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Il a expliqué que ces textes apportent les modifications qui porteront sur la prise en compte du numérique dans les matières suivantes. Le commerce, la preuve, la validité juridique de l'écrit, le contrat, la publicité, la protection de la vie privée, la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité. Cette convention retient une approche très large de cybercriminalité impliquant la lutte contre la cybercriminalité, la protection des données à caractère personnel et l'encadrement des transactions électroniques. Sa ratification est une nécessité tenant compte des enjeux et effets de la cybercriminalité sur le plan national, régional et international. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces 2 projets d'ordonnance-loi. Commencée à 13h45, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 20h38. Je vous remercie.